puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Il y a deux semaines, on avait accueilli ici Alain Ruscio, spécialiste sur la question coloniale et en particulier sur le Vietnam. Avant ça encore, on avait eu une présentation sur les Comores, donc sur l'Afrique. Donc ce soir, en présence de Yves Verdeil, on aura le plaisir de continuer nos soirées sur le thème de la tricontinentale en présentant les magnifiques livres de Che Guevara, ses récits de voyage, qui sont parus aux éditions Au Diable Vauvert, et dont Yves Verdeil est le conseiller culturel auprès de cette collection. Donc, avant de laisser la parole à mon camarade Yves, je profitais un peu de mon privilège de modérateur pour raconter un peu ma vie et une anecdote sur mon parcours militant et comment moi j'ai été en contact, qu'est-ce qui m'a donné envie de lire les œuvres du Che. Donc voilà. Il y a une dizaine d'années de ça, j'ai milité en Turquie, et à ce moment-là, en Turquie, c'est pas comme en France. Il y a vraiment beaucoup d'organisations communistes, il y en a une vingtaine de grandes, la moitié d'entre elles qui mènent la lutte armée d'ailleurs, qui sont sur la liste des organisations entre grands guillemets terroristes, et il y a des organisations qui se réclament du guévarisme. Et donc, en étant absolument néophyte à la question, j'avais été invité par des camarades à boire le thé à un local de leur organisation, une organisation qui s'appelle Halk Jepesi, ou le Front Populaire. Les habitués de la fête de l'UMA doivent les connaître, parce qu'ils sont toujours là avec un grand stand, avec des drapeaux rouges et des grands portraits du Che, du coup. Et du coup, on discute. Moi, en bon maoïste, je leur parle de Mao, de la révolution culturelle, de la guerre populaire. Eux, en bon guévariste, me parlent du Che, me parlent de la théorie des Foucault, me parlent de la guérilla urbaine. Et au fur et à mesure qu'on discute, je me rends compte que beaucoup d'entre eux, plutôt que de faire référence au texte théorique, ils ramènent beaucoup justement à ses récits de voyage, à son journal du Congo, journal de Bolivie, naturellement voyage à motocyclette, qui pour le coup était également est probablement le récit de voyage le plus connu du Che. Et ces jeunes, ou très jeunes, m'expliquent du coup que c'est ces bouquins-là en fait qui les ont inspirés à devenir des militants. Parce que c'était des bouquins qui montraient en fait qu'est-ce qu'être un communiste conséquent signifie. Plus tard, je suis rentré en France, et en France, je me suis intéressé, je me suis dit j'ai envie de lire ces bouquins-là. J'ai fait le tour un peu des librairies qui vendaient encore des livres d'occasion du Che à ce moment-là, parce que ça se trouvait pas, il y avait très peu de livres qui était en vente à ce moment-là, neuf. Je me suis rendu compte que, autant les textes théoriques, les éditions Maspero les ont édités, ça existe. Je suis très fier de les montrer parce qu'ils sont assez rares maintenant. Mais on peut encore trouver ça. Ils ont publié 6 ou 7 volumes qui couvrent la plupart des textes théoriques du Che. Mais par contre, les récits de voyage, on a des grosses lacunes. Et en fait, ce soir, cette soirée est là justement pour parler de ces récits de voyage qui, ces 10 dernières années, ont fini par être publiés, justement par les éditions Le Diable Vauvert, et grâce au camarade Yves Verdeil, qui a travaillé là-dessus. Donc maintenant, j'aimerais te donner la parole, justement pour que tu puisses nous dire un peu plus au sujet du Che, et pourquoi toi, tu t'es intéressé à cette question-là, pourquoi ces récits de voyage-là ? Merci beaucoup. Bon, avant de commencer mon propos, quelques précisions. Hein. Le journal du Congo et le journal de Bolivie ne sont pas des récits de voyage, ce sont des récits de guérilla. Hein. Donc c'est une précision, c'est-à-dire que le Che part au Congo et en Bolivie pour faire la guérilla. Et dans les notes qu'il écrit à ce sujet, sont des notes de combat, hein, de guerre. Ce ne sont pas des récits de voyage. Même si on peut considérer qu'effectivement, il a voyagé en allant à l'un et à l'autre de ces pays. Ce n'est pas une critique, c'est juste une petite précision. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Ernesto Che Guevara. Je n'ai pas du tout l'intention de vous parler du Che Guevara figé comme une icône dans cette magnifique photo de Korda, qui est très belle par ailleurs,
mais dans laquelle il est figé comme une icône de pierre et qui a été l'objet d'un culte tout à fait détaché des réalités. Le Che n'était pas non plus ce qu'une certaine littérature a dit, c'est-à-dire ce que y compris des amateurs de formules en voie d'inspiration ont dit du Che, qu'il était un guerrier héroïque, un guerrier romantique, un Christ rouge et autres appellations qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc ce soir, j'ai envie qu'on discute ensemble de l'homme Che Guevara, à la fois du marxiste Guevara et de l'homme d'État, à la fois de l'homme qui a su conjuguer marxisme et éthique, qui a su conjuguer révolution et humanisme, qui a tenté d'ouvrir une voie originale pour le socialisme en Amérique latine, qui a également pris ses distances avec un certain socialisme réel qui était celui des pays de l'Est et dont la stratégie qui en découlait, stratégie révolutionnaire qui en découlait, également qui a été un grand internationaliste, hein, pour qui l'internationalisme prolétarien n'était pas du tout une vue de l'esprit ou une déclaration de principe, et qui donc faisait de tout cette personne Che Guevara un être absolument à part dans le monde révolutionnaire du XXe siècle. J'ai pensé articuler mon propos, faire mon propos autour de trois grands moments de la vie du Che. Je ne vais pas faire une biographie du Che, hein. Beaucoup ont été faites et d'intérêts variés, d'intérêts divers, toutes pas de grand intérêt, mais je dirais que je ne vais pas faire une biographie stricte. Mais je vais parler de tout ce qui a été mouvement dans la vie du Che, qui a fait qu'il est passé de l'Argentin de naissance qu'il était au révolutionnaire et l'homme d'État et après le guerrier, quoi. Je pense qu'il y a trois phases dans sa vie qui méritent d'être citées dans cet ordre-là. Donc, je dirais que la première des choses, comment le jeune Ernesto Guevara, plutôt, devient un révolutionnaire. Mais d'abord, dans sa vie, ce sont les voyages qui comptent beaucoup. Les voyages. Il faut dire, je crois qu'il est important de parler de ces trois voyages qu'il a fait. En fait, il n'a pas fait deux voyages, comme souvent la littérature nous le dit. Il a fait trois voyages. Le premier qu'il démarre quand il a 20 ans. Donc, il est un jeune Argentin qui a envie de découvrir son pays. Déjà, l'appel je dirais, de la découverte de son pays, de son continent, plutôt de son sous-continent, le tente, quoi. Donc, il fait un voyage en bicyclette aménagée d'un petit moteur dans les provinces du nord de l'Argentine. Là, il part pendant quelques mois, il fait 4000 km, alors avec beaucoup d'aventures, mais déjà, il découvre un peu son pays, quoi, sa propre Argentine. Ensuite, deuxième voyage, c'est celui, je crois, qui fait que le Che devient le Che. On ne l'appelle pas encore comme ça, mais il devient le révolutionnaire. C'est le voyage qu'il fait avec son ami Alberto Granado à travers l'Amérique latine. Donc, ils partent de Cordoba, pays de naissance du Che, ils partent de Cordoba. Il est né à Rosario, mais en fait, c'est pas son pays de naissance. Il est né à Rosario, en Argentine, mais c'est à Cordoba qu'il a grandi, hein. Ils partent là sur une moto un peu poussive, la Norton, qu'ils appellent la puissante, la Poderosa, la puissante, hein. Et donc, dans ce voyage, ce second voyage, mais qui est le voyage, disons, de l'ouverture du Che aux réalités de l'Amérique latine, il y a des étapes qui me paraissent significatives. La première, c'est le Chili. Il passe dans le Chili, et au Chili, à proximité de la mine de cuivre de Chuquicamata, vous savez, cette grande mine de cuivre, on voit les camions très haut sur roues qui exploitent le cuivre, par une lune glaciale, près du désert d'Atacama, mais c'est un peu d'altitude, quoi. Il rencontre un couple donc de militants communistes. Lui est mineur. Il a été exclu de pas mal de ses fonctions, pas mal de ses métiers, parce que communiste et parce que, comme dit le Che, il avait comme ambition de souhaiter un peu plus de bonheur sur la terre, quoi, de désirer une autre vie pour les gens. Et donc là, dans une nuit glaciale, cet homme raconte sa vie. Le Che lui passe, lui à sa femme, sa couverture, il partage celle de son ami Alberto Granado. Et là, après leur échange, Ernesto Guevara, c'est pas encore le Che, dit « Je me suis senti en fraternité avec cette espèce humaine si étrange pour moi. » C'était donc le prolétariat qui était dans la misère, quoi. Donc il sent déjà une proximité, une sympathie pour ce prolétariat. Donc ça, c'est donc l'étape du Chili. Je parle de ce voyage-là, des grandes étapes, les étapes qui l'ont marqué, qui l'ont façonné, qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il a été ultérieurement. Seconde étape, c'est au Pérou. Au Pérou, il découvre donc déjà le Machu Picchu. Et là, il sent que cette culture inca décèle, dégage quelque chose de commun
à toute l'Amérique latine. Il sent qu'il y a là, peut-être, comme je lis dans la préface, un vivier pour la future Amérique, quoi. Et je pense que ça l'inspire beaucoup. Et également, il rencontre à Lima un médecin communiste, marxiste donc, membre du Parti communiste péruvien, qui est surtout un grand médecin spécialiste en médecine tropicale. Cet homme l'influence beaucoup et le met en relation également avec, à la fois, l'hôpital où il travaille, mais surtout prépare un voyage qu'ils font, lui et son ami, dans une léproserie de l'Amazonie bolivienne, la léproserie de San Pablo. Et là, donc, ils rencontrent des lépreux, ils modifient complètement le rapport. Ils sont déjà médecins, ils sont déjà étudiants médecins. Alberto Galando est biochimiste, lui est déjà étudiant en médecine. Hein. Il modifie complètement le rapport qu'il y a entre les soignants et les patients lépreux de cette léproserie. Et le jour de ses 24 ans, on lui fait une grande fête. Et alors, il improvise un discours qui semble très, très prémonitoire et très en avance sur, je dirais, sur l'époque. Il dit que la division de l'Amérique en nationalité virtuelle est complètement illusoire. En gros, il prône un pas d'américanisme, quoi, hein, qui déjà comment dire, le caractérise, quoi, je dirais. Voilà, ça c'est dans l'étape péruvienne. Et après l'étape péruvienne, il y a donc une étape vénézuélienne. Ils continuent leur voyage et leur voyage se termine au Venezuela. D'ailleurs, les notes de voyage se terminent au Venezuela. Mais donc, ils se séparent. Granado va accepter un poste de biochimiste dans l'hôpital. Quasiment à la fin de son séjour, Ernesto rencontre dans un village de montagne proche de Caracas un homme, un révolutionnaire européen qui a fui l'Europe donc pour échapper, comme dit Ernesto, au couteau dogmatique. Là, dans cette nuit-là, il fait une nuit froide, et de cette bouche d'ombre qu'elle lui donne, lui sort la révélation. Il a d'ailleurs un élan quasi mystique, où il dit que, là, écoutez bien le texte, hein, il dit: je prépare mon être pour qu'il résonne avec de nouveaux espoirs et de nouvelles vibrations le hurlement bestial du prolétariat triomphant. Donc, il sait ce qu'il a à faire, quoi. En tout cas, il sait où est sa voie à partir de cette rencontre. Et donc, après le Venezuela, il rentre chez lui en Argentine. Ça se passe en septembre 52, il rentre en Argentine. Et là, il écrit dans ses notes de voyage: l'homme qui a écrit ces lignes est mort. D'abord, excusez-moi, il dit: ce voyage sans but entre notre Amérique majuscule m'a transformé plus que je ne le croyais. L'homme qui a écrit ces lignes est mort en foulant à nouveau le sol argentin. C'est-à-dire, c'est en moi. Bon. C'est quelqu'un d'autre qui a été, je dirais, créé après ce second voyage. Donc, très important à retenir. Il rentre à Buenos Aires, donc, où sa famille l'attend. Et en temps record, il passe tous ses examens de médecine. Chose jamais vue, quoi. Il impressionne ses maîtres. Et donc, il est docteur en médecine en juillet 53. Et là, le docteur Ibarra, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un troisième voyage. Et donc, il part de Buenos Aires en train pour un troisième voyage donc, en Amérique latine. Sa mère court derrière lui. Dans le train, ils ont une relation fusionnelle, sa mère et lui. Et sa mère court derrière le train parce qu'elle est sûre qu'elle ne le reverra jamais, que son fils va se perdre dans une aventure. Et lui, il lui crie, sur l'escalier là, de son compartiment: ici va un soldat de l'Amérique. Donc il part pour se battre, quoi. Hein? Soldat de l'Amérique, ce n'est pas une formule improvisée. Che Guevara, plutôt, sait qu'il va partir pour se battre. Donc voilà, le troisième voyage commence, et je pense, parce qu'il ne faudrait pas non plus que je sois trop long, enfin, si, ça va, je vais quand même mettre ma montre devant moi pour savoir. Ce troisième voyage, donc, l'amène d'abord en Bolivie. Où il a des contacts, hein, en Bolivie. Il y a un gouvernement plutôt national, je dirais révolutionnaire, en Bolivie à ce moment-là. Une réforme agraire a été entreprise, mais cette situation ne le satisfait pas. Et ce qui le marque le plus dans ce troisième voyage, c'est son séjour après de multiples détours qu'il fait au Guatemala. Le Guatemala, dont il arrive en 1953. Il déclare en arrivant au Guatemala: on peut dans ce pays dilater ses poumons et les gonfler de l'hémocratie. Pourquoi? Parce qu'au Guatemala, en 1951, a été élu un colonel progressiste, un colonel nommé Jacobo Arbenz, qui n'est pas un révolutionnaire, mais c'est un homme foncièrement progressiste, foncièrement réformiste, et qui décide d'entreprendre une réforme agraire. Le grand problème de la réforme agraire, qui est la base de toute révolution digne de ce nom en Amérique latine. Le problème, c'est que ce faisant, il va se heurter à la grande multinationale United Fruit,
que le grand écrivain Miguel Ángel Asturias a appelé la pieuvre verte. Cette multinationale règne sur un territoire immense donc, au Guatemala, avec nombre de milliers d'hectares de terres non cultivées, et cette réforme arrière va la léser, bien sûr, dans son désir d'accroître son emprise sur la production fruitière au Guatemala. Et bien sûr, arrive ce qui devait arriver. La CIA, toujours, n'est-ce pas, désireuse de préserver les intérêts américains, états-uniens, dirons-nous, pas américains, états-uniens. Appelons les choses par leur nom. Les États-Unis ne sont pas l'Amérique, c'est les États-Unis. Hein. Voilà, elle n'a pas le droit à appellation Amérique, hein, de mon point de vue. Donc, arrive ce qui devait arriver. En 1954, la CIA fomente un coup d'État contre le colonel Arbenz. Guevara est là. Et c'est au Guatemala qu'il rencontre donc sa première épouse, Hilda Gadea. Alors d'abord, je reviens un petit peu en arrière. Quand il était au Pérou, il a connu, grâce au docteur qu'il a rencontré, PC, il a connu, il s'appelle PC, P-E-S-C-E. Il a connu donc un homme, enfin quelques militants plutôt, d'un parti qui s'appelle l'APRA, l'Association Populaire Révolutionnaire Américaine. C'est un parti, nous le verrons après, c'est un parti donc, qui est au départ révolutionnaire. Après, il se scindera en deux et son principal dirigeant, il sera vers un réformisme, je dirais, plutôt droitier. Quoi. Alors qu'un autre de ses dirigeants deviendra un très grand philosophe, un très grand penseur latino-américain, c'est Juan Carlos Mariátegui, qui est donc un Péruvien et qui est un homme remarquable, qui est un des plus grands penseurs marxistes latino-américains. Donc voilà. Et donc au Guatemala, avant que le coup d'État éclate, il a connu une Péruvienne qui deviendra sa première épouse, qui s'appelle Hilda Gadea, qui, elle, donc, est déjà formée politiquement. Et elle va l'initier au marxisme, c'est-à-dire qu'elle lui fait connaître les textes marxistes. L'État et la Révolution, que faire, le Capital, donc il lit tout ça. Et à tel point qu'il est séduit et qu'il écrira plus tard à sa mère quand il sera au Mexique, maintenant pour moi, Saint-Carl et Capital. Bon, voilà. Saint-Carl, c'est bien sûr, vous avez compris, Karl Marx. Voilà, donc, au Guatemala, il a connu Hilda, mais donc arrive ce coup d'État. Et ce coup d'État, bien sûr, le gouvernement de Arbenz n'y est pas préparé. Donche erre dans les rues de Guatemala City, de Guatemala Ciudad, pour essayer de solliciter une intervention du peuple, quoi, qui ne se produit pas parce que le peuple n'est pas armé. Et donc, le gouvernement de Arbenz est écrasé. C'est un général de pacotille là, qui se trouve en séjour au Honduras voisin, qui est bien sûr soutenu par les États-Unis, l'auteur du coup d'État, ou plutôt le bénéficiaire du coup d'État, qui a été préparé auparavant par un pilonnage de l'aviation américaine, conduite par des aviateurs américains, dont les États-Unis ont une responsabilité directe dans ce coup d'État. Hein. Et peu après, bien sûr, l'ambassadeur des États-Unis, Perry Fois, prend place à Guatemala City. Donc, Guevara fait tout ce qu'il faut pour armer le peuple, mais devant l'impossibilité, il se réfugie à l'ambassade d'Argentine, où il obtient un visa de sortie. Et là, il mesure plusieurs choses. Quoi. D'abord, il se dit qu'il était totalement d'accord avec l'aile la plus à gauche du gouvernement de Arbenz, notamment le Parti communiste guatémaltèque, le parti qui s'appelle le Parti guatémaltèque du travail, le PGT. Et ensuite, il mesure la vulnérabilité d'un peuple désarmé face à l'impérialisme. Là, le peuple n'a pas résisté. Donc, il en conclut que pour gagner une révolution, il faut armer le peuple. Ça va être une ligne directrice qui va se le guider pendant toute sa vie de révolutionnaire, je dirais. Donc le Guatemala est pour, dirions-nous, pour Ernesto Guevara, une époque, une période formatrice, quoi. Hein, extrêmement formatrice. Il devient authentiquement marxiste au Guatemala. Il a pris connaissance des grands écrits de Marx, il les a étudiés. Alors il faut dire aussi que c'est un homme qui avait une boulimie de lecture extraordinaire et qu'il assimilait très vite. Voilà, donc il est marxiste, et je peux dire là, sans trahir ce que je dis ultérieurement, qu'il est marxiste bien avant la majorité des révolutionnaires cubains qu'il va connaître au Mexique. Hein. Même si Fidel, de sa prison de cubaine après l'assaut manqué de la caserne de la Moncada à Santiago, même si Fidel a lu quelques textes marxistes, mais le Che est marxiste fondamentalement. Donc, réfugié à l'ambassade d'Argentine, Hilda, qui est devenue sa fiancée, qui souhaite épouser la péruvienne d'Agadea, elle préfère rentrer au Pérou. Donc ils prennent le train, ils se séparent. Lui rentre au Mexique, il a un visa pour le Mexique, il va au Mexique, et Hilda Gadea rentre au Pérou. Est-ce qu'ils se reverront? Ils ne savent pas. Donc arrive le Che au Mexique.
Là, il se passe quelque chose. D'abord, au Mexique, il est photographe de rue. Il survit en prenant des photographies. Et puis, par hasard, il rencontre dans la rue un jour un réfugié guatémaltèque qui, voyant qu'il est dans une situation plutôt précaire au niveau économique, lui trouve un poste de médecin allergologue à l'hôpital. Et là, miracle, si on peut dire, il rencontre un Cubain qu'il avait connu auparavant, un certain Nico Lopez, qui sera un guérillero également plus tard. Et cet homme, Nico Lopez, le met en lien avec des révolutionnaires cubains qui sont déjà arrivés au Mexique après le coup d'État, fait le coup d'éclat, pardon, l'assaut manqué de la caserne d'Amancad à Cuba. Donc il rencontre d'abord Raúl Castro, avec qui il fraternise très rapidement, Raúl qui sera un grand acteur dans la révolution cubaine ultérieure. Et il rencontre donc également, bien sûr, ultérieurement Fidel. Fidel arrive quelque temps après son frère, en 56, à Mexico. Il prend son quartier, ils n'ont pas encore été présentés, hein. Fidel prend son quartier général, dans une pension de famille qui est tenue par une Cubaine d'origine dont le fils a été torturé et est mort sous la dictature de Batista, par les sbires de Batista. Et donc elle tient pension de famille, Fidel arrive là, il s'installe là. Et donc un soir arrive le Che, on présente les deux hommes. Et je dirais, le coup de foudre est mutuel, quoi. D'abord, le Che est séduit par Fidel qui a effectivement eu le courage de faire cet assaut de la Moncada, qui, pendant son procès, a fait une plaidoirie tout à fait remarquable, dans laquelle il dit notamment l'histoire m'absoudra, et qui après, donc, erreur de Batista, a été exilé. C'est une erreur du dictateur du Cuba de l'époque, ça il ne le savait pas. Mais il craignait quand même, il a été libéré, exilé, mais sa vie était quand même menacée à Cuba. Donc Fidel s'exile au Mexique. Hein. Donc coup de foudre réciproque, et Fidel lui-même était très intéressé par ce jeune révolutionnaire, quoi, qui a déjà assimilé le marxisme, et qui est tout à fait d'accord avec ce que défend Fidel comme futur projet. Et donc, au terme d'une discussion qui dure toute une nuit, Fidel décide de recruter Guevara, qui est devenu maintenant le Che, puisque avec cette interjection qui est propre à tous les Argentins, il interpelle les Cubains qui sont là par le mot Che, puis il dit une phrase, quoi, Che, etc. Et donc les Cubains l'appellent le Che. Donc, maintenant, il est devenu le Che. Et donc, il l'incorpore comme médecin de l'équipe qui va partir à Cuba faire la révolution. Donc, il y a un entraînement qui commence à Mexico, un entraînement qui est dur, hein. Le Che se montre extrêmement habile à l'entraînement militaire. Il a cette passion des armes. Ils sont d'accord pour partir, quoi. Le couple, parce qu'entre-temps, il s'est marié avec Hilda Gadea, hein, et ils ont eu une fille qui est née au Mexique. Mais déjà, le couple bat un peu de l'aile, parce que Che passe beaucoup de temps à préparer la révolution cubaine, et bien sûr, la vie de famille, il a tendance à la délaisser un petit peu, quoi. Enfin, quoi qu'il en soit, il est recruté donc, pour faire partie de l'équipage, si je peux dire, l'équipage, oui, ils prennent un bateau, quoi. Enfin, de tous les guérilleros qui vont embarquer pour Cuba, par une nuit de novembre, sur un bateau qui peut contenir à tout casser, je dirais, s'il peut me permettre cette expression, 25 personnes, mais ils sont 82 embarqués, quoi. Avec l'armement, le matériel, enfin, tout ce qu'on peut imaginer comme nécessaire à une guérilla. Et donc, que des Cubains, que des Cubains, le Che, le seul étranger, si on peut dire, parce qu'il sera après naturalisé cubain, que des Cubains, donc qui ont été recrutés, triés sur le volet, que des Cubains. Et donc, ils partent pour Cuba. Alors là, le Che écrit à ses parents, et vous allez voir que dans sa formulation, il y a une évocation de la mort et une proximité avec la mort chez le Che qui est assez extraordinaire. Je rappelle que le Che a été victime d'asthme à partir de 1 an et demi, à peu près 18 mois, et que des crises d'asthme, sans les moyens qu'on avait thérapeutiques qui existaient à l'époque, ont toujours été des crises où il a frôlé la mort de près, quoi. Et donc, disons que sa survie, d'une part, l'a endurci, mais également lui a fait se familiariser avec la grande faucheuse, si je puis dire. Donc, il écrit à ses parents: mon avenir est lié à la révolution cubaine. Ou je triomphe avec elle, ou je meurs là-bas. Désormais, je ne considérerai pas ma mort comme une frustration. À peine dirais-je comme Hikmet, c'est une référence au grand poète turc Nazım Hikmet, communiste également. À peine dirais-je comme Hikmet, je l'emporterai dans la tombe que le chagrin d'un chant inachevé. C'est magnifique.
dont Le Che écrit ça, grande culture également, dont par une nuit de novembre 56, le Brahma, avec 82 guérilleros à bord, prend l'océan, le golfe du Mexique, pour Cuba. Le révolutionnaire errant, ça c'est une formule qui est mienne, permettez-moi de l'utiliser, le révolutionnaire errant, puisque il a parcouru l'Amérique, a trouvé là, avec Fidel, son point d'appui. Et vraiment, on verra que ce point d'appui est tout à fait productif, quoi. La grande odyssée dont on va parler peut commencer. Alors d'abord, je vais parler rapidement de la Révolution. C'est pas ce qui est le sujet principal. Mais d'abord, il faut savoir que le débarquement, d'abord la traversée, dure 5 jours, presque une semaine, quoi, au lieu des 3 jours prévus. Donc le réseau urbain, animé par des amis de Fidel, notamment un remarquable dirigeant qui s'appelait Frank Pais, qui sera plus tard assassiné par les sbires de Batista, le réseau urbain l'attend quelque part. Et il y a de telles mésaventures pendant cette traversée, avec un esquif qui est très frêle et surchargé pour faire cette traversée, que le bateau se trompe, quoi. Ils ne vont pas là où les attendent les amis du réseau urbain qui sont équipés de camions pour les accueillir. Ils débarquent dans un endroit marécageux à 2 km de là. Et le Che dira, ce ne fut pas un débarquement, ce fut un naufrage. Qu'est-ce qui se passe après ce débarquement? Ils sont repérés par l'armée de Batista, mitraillés. Au total, sur les 82 combattants, il ne reste plus que 27 en vie. Enfin, 27 en vie, 27 libres, quoi. Beaucoup sont morts, d'autres capturés, d'autres désespérés se perdent, on ne les retrouve pas, ils s'égarent, quoi. 27 combattants. Mais parmi ces 27 combattants restent les plus résolus, les plus grands dirigeants de la future révolution cubaine, dont Le Che, dont également Camilo Cienfuegos, dont Fidel, dont Juan Almeida, ceux qui seront le noyau de la révolution cubaine. Et là, Fidel est optimiste, quand ils se retrouvent tous, parce que d'abord ils sont dispersés, et ils finissent par se retrouver grâce notamment à la complicité, à l'aide de la paysannerie locale. Et quand ils se retrouvent, Fidel conclut, ben maintenant, je suis sûr que nous vaincrons, quoi. Grand optimiste à 27 hommes, quand même. Voilà. Donc, je me permets de raconter une histoire personnelle. J'ai connu très intimement un combattant du Che qui s'appelait Dariel Alarcón Ramírez, donc qui a fui Cuba pour des raisons en 96, mais qui a été un révolutionnaire remarquable qui a suivi le Che partout, au Congo, en Bolivie, et donc pendant la révolution cubaine. Alors, il m'a raconté comment ils sont connus. Dariel Alarcón Ramírez, qui s'appelait, son surnom c'était Benigno, était un tout petit paysan qui survivait avec sa jeune compagne sur un petit territoire agricole où ils avaient planté des caféiers. Et il avait 17 ans, lui, sa compagne avait 16 ans. Et un jour, pendant qu'il allait chercher de l'eau à la rivière à côté, il voit débarquer une troupe en uniforme plus ou moins dépenaillé, quoi. 6 hommes. Et parmi ces hommes, il a repéré un de très haute stature. Un autre qui parle un espagnol qu'il n'est pas habitué à entendre à Cuba. Accent un peu différent ou autre. Mais il ne savait pas à qui il avait affaire. Il a eu peur d'abord, il pensait qu'il avait affaire à des sbires de la dictature. Les soldats là-bas, les soldats de Batista, ne s'encombraient pas de détails. Hein. Ils mitraillaient, ils fusillaient des paysans, quoi, hein, parce qu'ils étaient susceptibles d'aider la guérilla. Et donc il a très peur, mais quand il entend que ces hommes demandent à manger, lui demandent s'il est d'accord pour les fournir en alimentation, ils achètent un cochon, etc. Et puis il lui demande, mais est-ce qu'on peut revenir les jours après pour s'alimenter? Oui, tout à fait d'accord, il est un peu rassuré, tout à fait d'accord. Et ces hommes-là s'en vont. Un de ces hommes lui dit, si tu as un problème, un jour, c'était Camilo Cienfuegos, un des trois grands leaders de la révolution cubaine. Camilo lui dit à Benigno, si tu as un souci un jour, va voir telle personne à telle adresse. Aucun problème. Et bien sûr, l'armée de Batista, apprenant que, même sans le vouloir, il avait aidé la guérilla, Benigno est attaqué chez lui. Alors un jour, il est sur un versant qui domine son petit bohío, la maison cubaine faite de toits de palmes, quoi, hein, de toits de feuilles de palmiers. Il entend une fusillade monstrueuse. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa jeune compagne tirée par les pieds par les soldats de Batista, quoi, morte, assassinée. Il voit donc son petit bohío incendié. Et lui, il est à 200 mètres d'âme. Il voit tout ça, quoi. Et son premier réflexe, c'est de s'asseoir et de pleurer, quoi. Il pleure toutes les larmes de son corps. Et puis il se rappelle de l'adresse que lui a donnée Camilo. Et donc,
quand sa maison est détruite, il essaie de récupérer ce qu'il peut récupérer. Il n'y a pas grand-chose. Il part quand même avec une couverture et il part à l'adresse que Camille lui a donnée. Il arrive donc à cet endroit, dans la montagne, et il tombe sur une femme qui lui dit « Non, moi, je ne connais personne de ce nom-là. Tu me parles de quelqu'un que je ne connais pas, moi. Mais écoute, puisque tu as fait tout ce chemin, tu dors ici, puis demain, tu repars, quoi. » Bon. Dans la nuit, il le met le secoue, quoi. « Réveille-toi, on y va. » Et, comment dire, Béni, on se réveille. Daria Alarcon se réveille. Et aussitôt après, il est amené par cette femme vers la Sierra Maestra, ce qui est le lieu de la... Et là, Camille le reconnaît. « Alors, petit Guajir, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive ?» Il raconte son histoire. Et alors, Camille lui dit « Écoute, t'en fais pas. On fait la révolution, on va te venger. » Voilà, c'était une histoire. Et Camille, on devient... Et Benigno, pardon, devient un très grand guerrier. Voilà l'histoire. Donc, la révolution commence avec 27 hommes. Qui peu à peu, notamment grâce au soutien de la paysannerie, et d'ailleurs la Debré a dit à juste titre, Régis Debré, dont on pourra parler d'ailleurs, hein, je sais qu'il y a quelques désaccords le concernant, on pourra discuter de Régis Debré. J'ai mon opinion sur lui, elle est plutôt positive. Hein. Voilà. Donc, notamment pendant la guérilla bolivienne. Hein. Régis Debré a pu dire de la Sierra Maestra qu'elle était un jardin botanique comparé à ce que les Tchèques ont eu plus tard en Bolivie. C'est-à-dire que la Sierra Maestra était un lieu propice pour une guérilla. La paysannerie est très conscientisée, elle aide à la guérilla, elle les nourrit, elle les cache, elle les guide quelquefois, et donc peu à peu, ils recrutent. Quoi. Ils recrutent. Et donc, pendant cette guérilla, le Che est assez rapidement adoubé par Fidel comme commandant. Et au combat, il se montre plus que courageux, quoi, intrépide, jusqu'à la témérité, solidaire. Il est asthmatique, il a de violentes crises d'asthme. Il ne supporte pas qu'on l'aide, il ne supporte pas qu'on prenne son sac. Il porte tout seul son sac, même s'il met des fois des jours pour rejoindre les points de ralliement, tout seul quelquefois, il faut qu'il se repère dans la Sierra. Quoi. Très égalitaire, il n'accepte pas, malgré son rôle, son titre de commandant, d'être mieux traité qu'un autre. Quoi. Voilà. Au-delà de ses qualités de combattant, il a déjà des grandes qualités politiques. D'abord, il a prévenu Fidel. Il a dit « Je quitterai Cuba lorsque j'aurai considéré que j'ai accompli la part qui me lie à la révolution cubaine. » Il est très clair. Et il lui dit également à Fidel, ce sont deux préalables hein, qui sont importants, pour moi, la révolution n'est pas que cubaine, c'est la révolution de toute l'Amérique latine. Ce n'est pas une révolution qui doit se limiter au territoire cubain, elle est, pour moi, c'est une révolution panaméricaine. Ce en quoi Fidel diffère un peu avec lui, parce que Fidel, lui, il a un projet pour Cuba, uniquement. On dirait qu'au départ, Fidel a plutôt une attitude nationale révolutionnaire, hein, alors que le Che, lui, est plutôt pour une révolution panaméricaine. Hein. Donc voilà, ce sont les deux préalables. On verra que peu à peu, il amènera Fidel à changer d'attitude. Donc la guérilla commence, le Che est héroïque, et au-delà de son héroïsme, d'une part il se montre politique, mais également stratège politique. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il y a par exemple dans la guérilla une opposition entre la Sierra, la montagne, la Sierra Maestra, et la plaine, le Llano. Il y a par exemple des foyers de guérilla plus ou moins autonomes qui éclatent dans la plaine. Et ça, pas question, quoi. Pas question parce que d'une part, ça affaiblit l'autorité de Fidel, et il faut à tout prix se battre pour qu'il ait priorité au combat armé. Pas question de s'éparpiller. Et donc, il arrive à négocier avec d'autres forces révolutionnaires, notamment le directoire, le parti communiste qui est au départ cubain, qui au départ n'est pas du tout d'accord avec la guérilla, qui traite d'abord facilement le Che de petit bourgeois hein, ou d'aventuriste. Hein. Alors, le Parti communiste s'appelle Parti socialiste populaire. Il n'a pas l'appellation communiste. Et également, donc, la troisième partie de la révolution cubaine, comme parle le mouvement du 26 juillet, qui est le mouvement créé par Fidel. Donc, le Che arrive, je dirais, au terme de pas mal de jours et de mois de combat, à unifier ces mouvements de guérilla. Et c'est lui qui est le d'abord au terme de débats très durs, très profond, très intense, il arrive à unifier et à faire en sorte que ces mouvements reconnaissent l'autorité de Fidel comme étant la seule autorité dirigeante de la guérilla et priorité donc à la lutte armée et priorité à la lutte armée au niveau de la Sierra sur la plaine. Quoi. Voilà. Et ça, c'est une grande victoire parce que c'est ce qui permet le triomphe de la révolution cubaine. Donc voilà aussi le Che tel qu'il était. Non seulement un chef militaire, mais aussi un homme politique. Et ça commence là. Il n'avait pas peut-être les qualités de stratège politique de Fidel, qui lui faisait de la politique l'art du possible, très pragmatique. Mais on dit du Che qu'il considérait que c'est en faisant ce qui paraît d'abord impossible, mais ce qui deviendra possible ultérieurement,
que la politique sauve la révolution. Voilà, ils étaient très différents sur les objectifs. Mais enfin, je pense qu'on peut dire que Fidel est un véritable génie de dirigeant. Hein. Sans Fidel, je ne pense pas que la révolution aurait triomphé, malgré la témérité, malgré le courage et l'ardeur au combat du Che. Voilà, c'était important de préciser. Donc, après cette unification du mouvement de résistance, il n'y a plus qu'une chose, quoi, c'est que la révolution va triompher. Très vite, le Che et sa colonne ont libéré un territoire près de Santa Clara de plus de 8000 km². C'est la guérilla qui est là, maîtresse des lieux, qui organise la gestion du matériel, la gestion des denrées, des ressources, etc. Et après, c'est la marche... C'est la marche triomphale vers Santa Clara pour le Che, et après Santa Clara, vers la Havane. Donc la révolution triomphe fin décembre 1958. C'est le 1er janvier 1959 que les troupes de Fidel, de Camilo et du Che doivent marcher sur la Havane. Et là, donc, quelque chose de nouveau se passe. Fidel décide que ce ne sera pas le Che qui marchera sur la Havane, que ce sera Camilo, c'est un fuego, qui conduira sa colonne. Plusieurs raisons à cela. Les plus mesquines, les analyses les plus mesquines disent que le Che avait acquis un prestige énorme pendant la guérilla et qu'il était hors de question qu'il fasse de l'ombre fidèle. Ce n'est pas mon point de vue, mais enfin, je fais un petit peu le point sur les analyses. L'autre analyse qui me paraît plus probable, c'est que le Che est encore étranger à Cuba et qu'il fallait, d'une part, éviter qu'au niveau étranger, notamment les États-Unis, on ait vent du fait que c'était un étranger qui était le cerveau communiste de la révolution, dans le Che, et par ailleurs pour le peuple cubain, qu'il n'était pas du tout question qu'un étranger mène une colonne dans le triomphe vers La Havane. Donc le Che est affecté comme direct gouverneur militaire de la forteresse La Cabaña, qui sert aussi de prison à tous les tortionnaires de Batista, quoi, qui vont être jugés et exécutés d'ailleurs. Sans pitié. Et donc, le Che est là. Mais il n'est pas affecté du tout dans son orgueil ni son amour-propre à cette décision. Ce n'était pas le genre d'homme. Il a d'autres soucis en tête, déjà. Il a d'autres soucis en tête. D'abord, il pense à unifier les forces révolutionnaires autour de Fidel. Important. Il pense à anticiper les réactions éventuelles de la bourgeoisie cubaine par rapport à la révolution. Et puis, il a l'autre son souci, c'est un souci plus politique, réussir la réforme agraire et construire le socialisme. Donc, il est à la cabane. Il se repose d'autant plus qu'on lui a décelé un début de tuberculose. Donc, le Che a fait la guérilla avec la tuberculose. Important à savoir. Donc, il se repose. Et il va se reposer non pas à la forteresse, mais il y a une plage voisine à 30 ou 40 km. Cette plage, cette résidence secondaire, si je puis dire, devient le lieu d'une intense activité révolutionnaire. Tous les dirigeants passent par là, débats, etc. Et dont le Che, pendant qu'il est à la cabane, reçoit un jour un écrivain haïtien qui réussit à venir parce que le sinistre Duvalier, qui est le dictateur de Haïti à l'époque, voyant la réussite de la révolution cubaine, craignant pour sa propre existence au pouvoir, finit par obéir à une demande de Fidel qui lui demande de faire venir à Cuba l'écrivain haïtien communiste emprisonné, du moins assigné à résidence, qui s'appelle René de Pestre. Et donc René de Pestre arrive à Cuba, où il restera d'ailleurs après 19 ans. Quoi. Et donc de Pestre rend visite au Che à la cabane, à la forteresse dont il est gouverneur militaire. Et là c'est assez unique, un grand dialogue. De Pestre dit au Che, alors il se rencontre, le Che est allongé torse nu sur un lit, il a son instigateur pour l'asthme, il est en crise d'asthme, il a son cigare et sa tasse de maté. C'est là l'image assez typique du Che. Et là, donc, De Pestre lui dit, alors commandant, cette révolution, c'est une révolution radicale. Le Che, il lui dit, je vais te faire une confidence. Hein. Il met un doigt sur la bouche, il dit, c'est une révolution socialiste. En martelant bien les... En séparant bien les syllabes entre elles. Donc déjà, De Pestre sait à quoi s'en tenir. Alors à ce stade-là, le Che, il est évident qu'il ne va pas rester longtemps à la cabane. Fidel en a besoin, pour d'autres tâches. Et donc, Fidel reste avec le souvenir que le Che a menacé de partir lorsqu'il aura accompli le devoir qui le liait à la révolution cubaine. C'est le triomphe, donc il peut partir. Mais le Che a besoin de Fidel, donc il ne va pas le laisser à la vanne. Et il lui dit ça.
Il lui dit, reste, je ne veux pas que tu t'en ailles, reste, j'ai encore besoin de toi. Et donc, il va déléguer le Che dans un certain nombre de tâches, à la fois politiques, et à la fois il va en faire un ambassadeur itinérant de la Révolution. Ce qui n'est pas du tout inintéressant. Bon, d'abord, il le charge, c'est à ce titre qu'il a rencontré René de Peyre, il le charge d'être responsable des mouvements de libération que Cuba va animer en Amérique latine. Tout la rencontre avec de Peyre. Deuxièmement, à partir de là, Che se rend compte que la presse bourgeoise, comme les dépêches d'agence, risque d'étouffer la voix de la Révolution. Et il décide de créer avec Carlos Franchi, qu'il a interviewé dans la Sierra, par Radio Rebelde, il décide de créer une agence qui s'appelle Prensa Latina, qui va rayonner sur le continent, parce qu'elle va notamment avoir comme contributeur, comme chroniqueur, des gens aussi prestigieux que Gabriel García Márquez ou Carlos Rafael Rodríguez, Carlos Fuentes, pardon, des gens assez remarquables. Donc c'est une agence qui va faire rayonner, je dirais, les idées de la Révolution en Amérique latine. Donc voilà, c'est... Et donc, à partir de là, le fidèle va dépêcher le Che en voyage. Déjà, on a commencé la réforme agraire à Cuba. Déjà, Raúl Castro, qui a été nommé ministre de la Défense, commence une réorganisation de l'armée, c'est-à-dire qu'il va chasser les... Hein, sans armée révolutionnaire, pas de révolution possible. Donc on chasse les éléments, compromis avec Batista, hein, ils vont voir ailleurs, et on forme des éléments fidèles à la révolution. Un peuple en uniforme, c'est ce que voulaient Raoul et notamment Camilo. Donc voilà, ces deux aspects de transformation importante ont commencé. Et donc Fidel propose de faire voyager le Che. Il a l'éloquence, le Che, il est brillant, il a la culture. Il sait qu'il peut apporter des éléments tout à fait favorables à la Révolution. Et donc, favorables à la Révolution. Donc, il envoie d'abord pour un voyage de 3 mois dans les pays du tiers-monde, où la Révolution n'est pas encore connue. Le mouvement des non-alignés n'existe pas encore. En tout cas, il n'est pas organisé au niveau de l'ONU. Et donc, là-bas, le Che va rencontrer d'abord Nasser en Égypte. Il est impressionné par Nasser, mais c'est réciproque. Nasser est très impressionné par le Che. Il rencontre Nehru en Inde. Il rencontre Tito en Yougoslavie. Et Sukarto en Indonésie. Donc, beaucoup de monde. Et ce voyage ne se concrétise pas par des contrats économiques ou des échanges qui pourraient aider Cuba, non. Mais par contre, un prestige de la révolution cubaine extraordinaire. C'est-à-dire que c'est un voyage qui, qualitativement, a modifié la vision que ces pays du tiers-monde avaient de la révolution cubaine. Il a popularisé la révolution cubaine. Et ce n'est pas la moindre des choses. Retour du Che, retour de ce voyage. Le Che est nommé directeur, déjà ça commence, des responsabilités du département industriel de l'INRA. L'INRA qui est l'Institut National de la Réforme Agraire, qui conduit la réforme agraire. Et dans la foulée, il est nommé banquier, président de la Banque Nationale de Cuba. Donc voyez-vous, le Che, qui n'a aucune expérience de financier, qui va l'acquérir, qui n'est pas spécialement économiste, mais qui va le devenir, se trouve chargé de hautes responsabilités. Et c'est dès maintenant, authentiquement, le numéro 2 cubain, quoi. Donc, rapidement, aussitôt après ça, Fidel l'envoie encore en voyage, mais dans d'autres pays que le tiers-monde. Au tiers-monde, il s'agissait de, je dirais, de faire connaître à ces pays non alignés, qui cherchent à se libérer de l'impérialisme, la réussite de la révolution cubaine. Et c'était un succès. Mais il l'envoie dans les pays socialistes, là, ou présumés tels, hein. On en parlera après, on a changé notre point de vue là-dessus. Il l'envoie dans les pays dits socialistes pour solliciter une aide concrète, quoi, de ces pays par rapport à la révolution cubaine, pardon. Et donc là, il voyage en URSS. C'est encore Khrouchtchev qui est au pouvoir. Il retournera en URSS, mais ultérieurement, comme Brejnev a remplacé Khrouchtchev. Chine. En Chine, il est reçu par Mao, mais le contact est assez froid avec Mao, parce que Mao pense que Cuba va tomber dans le camp de l'Union soviétique, quoi. Et on connaît à l'époque le conflit que pose par le leadership mondial entre la Chine et l'Union soviétique, hein. Donc, RDA. En RDA, il va rencontrer quelqu'un qui sera très important plus tard dans la guérilla bolivienne. C'est une femme qui s'appelle Tamara Bunke, qui va s'appeler Tania dans la guérilla bolivienne, qui sera son agent secret pour le réseau urbain en Bolivie. Donc, il rencontre en RDA, c'est une communiste, fille de communiste, née en Argentine, mais qui a choisi de résider en RDA par conviction, quoi. Et donc également, je disais, Mao reçoit très bien le chef. À son retour, bien sûr, le Che, donc ministre de l'Industrie et président de la Banque de France. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est le numéro 2 du régime, authentiquement. Et il va s'appliquer à transformer son ministère en un lieu de débat, d'approfondissement de la théorie économique, d'échange, sans aucun a priori. Le Che n'est pas sectaire, il est radical mais pas sectaire, sans aucun a priori, et ça débat.
Il se perd des fois dans des... Il se perd, si je puis dire, parce que... Mais il passe des nuits à travailler, et des fois des débats très compliqués avec des économistes divers et variés. Il fait venir de France Charles Bettelheim, qui est un économiste plutôt maoïste, plutôt membre du Parti communiste français, mais plutôt séduit par la politique chinoise. Hein. Voilà. Et le trotskiste Ernest Mandel, qui lui, par contre, est tout à fait opposé à... Voilà. Et il y a donc des débats, mais je dis sans sectarisme, des débats économiques. Et il faut réussir la politique économique de Cuba. C'est très important. Donc, après cette nomination au ministère, il va à une conférence à Punta del Este, en Uruguay, organisée par les États-Unis, avec l'organisation des États américains, qui sont chapeautés par les États-Unis. Or là, le Che se montre d'une virulence, mais d'une radicalité par rapport aux États-Unis, sans faille. Quoi, hein. Pas question d'accepter les conditions financières qui sont opérées par les États-Unis. Ou bien vous nous proposez des budgets qui sont réellement des budgets qu'on accepte, ou bien ce n'est pas la peine de discuter, et il quitte la conférence. Mais sa présence est une présence sans succès. Alors à partir de là, je dirais, vont se passer les années 62, 63, 64. Et pendant ces années-là, des choses profondes vont se passer à Cuba. D'abord, le Che commence à être préoccupé par des questions de fond, quoi, qui vont après expliquer tout ce qu'il fait ultérieurement. D'abord, le problème déjà pour le travail... poser la question des stimulants moraux ou des stimulants matériels. Lui, ce qu'il appelle les stimulants moraux, c'est la reconnaissance collective du travail bien fait, et du travail qui est une réussite, quoi. Alors que les stimulants matériels sont un salaire, quoi. C'est-à-dire la reconnaissance du travail révolutionnaire en salaire ou en reconnaissance collective. Le Che opte pour le premier, pour la première alternative, reconnaissance collective. Il commence à entreprendre des critiques économiques très sévères sur les usines qui ne servent à rien, qui sont produites, qui sont... pléthoriques en main-d'œuvre, mais qui ne produisent pas, ou des produits de mauvaise qualité. Très critique par rapport à ça. Il s'interroge sur la philosophie politique de l'action à mener, l'action générale à mener à Cuba. Et de ce fait, on imagine bien qu'il y a beaucoup de conflits avec d'autres forces politiques en présence, notamment, je pense, au PSEP, hein, le Parti communiste, qui ne s'appelle pas encore comme ça, cubain. Il s'interroge aussi sur les fondements humanistes du marxisme. Marxisme et humanisme, ce que je dis tout à l'heure. Et il s'interroge également sur la persistance des rapports mercantiles dans une économie socialisée, comme celle qui préside par exemple dans les pays de l'Est. Et enfin, qu'en est-il des échanges à venir avec les pays socialistes ? D'accord pour que les pays de l'Est soutiennent économiquement la révolution cubaine, mais pas question pour lui déjà de s'inspirer de leur modèle. Donc, il va, après cette rencontre avec les pays de l'Est et ses réflexions qu'il anime dans ces années-là, il va en 63 représenter Cuba aux cérémonies du premier anniversaire de la révolution algérienne. Et là, donc, une grande interview avec Jean Daniel, qui va donc montrer à quel point le problème de l'éthique le préoccupe, quoi. Jean Daniel, qui était donc chroniqueur ouvert observateur, l'interroge sur l'économie cubaine. Est-ce qu'une économie nationalisée, planifiée, ne va pas encourager la paresse ou autre ? Alors là, Lucci lui répond... La politique, je dirais, le communisme, sans la morale communiste, ne m'intéresse pas. Il dit, si le communisme ignore l'effet de conscience, il peut être un excellent moyen de distribution, mais il n'est aucunement une morale révolutionnaire. C'est assez, déjà ce souci. Hein. Communisme, oui, mais ce n'est pas un mode de distribution. Ça doit être autre chose. Et déjà, il le souligne là. À partir de 64, l'impression qui se dessine, c'est que il n'y a pas de grande divergence entre le Che et Fidel, de fond. Mais ils ne jouent pas dans le même camp, quoi. Enfin, s'ils jouent dans le même camp, mais ils sont plus sur la même orbite, si je dirais. Le Che veut voir plus loin. Fidel gère, préoccupé par la réussite de la révolution cubaine, quoi. Le Che voit déjà plus loin. Et donc, et notamment les réflexions dont je parlais tout à l'heure. Et sur ces critères-là,
sur ces bases-là, commence à apparaître à Cuba ce qu'on a appelé un lobby antiché, qui se manifeste déjà par des réflexions en catimini, par des commentaires sur une affiche. C'est Robert de Pestre qui raconte ça, l'écrivain haïtien dont on parlait tout à l'heure, qui un jour voit arriver deux dirigeants de la révolution cubaine qui voient un tableau, une affiche du Che dans son bureau. Qu'est-ce qui fait ici celui-là? Ce type de commentaire. On le traite de gauchiste, d'électron libre. On ne supporte pas son égalitarisme, son intégrité. On ne supporte pas les sacrifices démesurés qu'il s'impose et qu'il impose aux autres. On ne le supporte pas. Quelques-uns veulent tout fait retirer quelques bénéfices assez personnels de la réussite de la révolution. Lui, ce n'est pas le cas. Il prône l'ascétisme, la sobriété, la fidélité, enfin, je dirais, une attitude stricte par rapport au budget, par rapport aux finances de l'État, etc. Ça ne convient pas à tout le monde. Donc ce lobby commence à apparaître, fidèle à la conscience de ce lobby. Et donc, il décide de continuer à faire voyager le Che, pour le protéger, je pense, de ce lobby, pour le protéger. Et donc, il décide de faire voyager. Et Carlos Franqui, le journaliste dont j'ai parlé tout à l'heure, commence par dire que faire voyager quelqu'un, c'est un peu le mettre à l'écart. Peut-être, peut-être. Mais il est vrai qu'il y a des faits concrets qui se passent, qui sont un petit peu, qui font s'interroger. Bon, tout d'abord, il y a un sommet des non-alignés au Caire. Excusez-moi, je transpire un petit peu. Il y a un sommet des non-alignés au Caire. Ce n'est pas le Che qui dirige la délégation, mais c'est le président de la République cubaine, d'Orticos, qui est chargé de la délégation. C'est un petit camouflet dont le Che ne prend pas ombrage. Il n'est pas comme ça. C'est pas. Donc voilà. Après ça, il continue donc à le faire voyager. Alors là, commencent des grands voyages à travers le monde, qui sont d'une autre importance que ceux qu'il a fait préalablement, mais qui vont finir par la disparition du Che de la scène politique publique. D'abord, il va à Moscou, c'est Brejnev qui a succédé à Khrouchtchev. Pas de commentaire, il n'est pas enthousiaste comme premier voyage qu'il fait à Moscou, hein. Il n'est pas du tout en phase avec ce qui se passe là-bas, mais il joue le jeu. Moscou est de l'URSS et de Cuba, ils ont besoin de cette aide, il applique la politique de Fidel. Il va ensuite, alors là c'est un épisode extraordinaire, et en décembre 64, il assiste donc à la 19e session, pardon, de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et là, je ne sais si quelques-unes d'entre vous ont en tête ce discours. Il fait à la tribune des Nations Unies un discours qui n'a pas son pareil encore aujourd'hui dans l'attaque qu'il constitue par rapport à l'impérialisme, qu'il appelle l'international du crime. Et il le dénonce comme ça, cette humanité a dit basta, il y en a assez. Et donc il fait un discours qui dure et qui d'abord sidère le public, mais qui se termine par une ovation de tous les pays non alignés qui sont là, quoi, qui se reconnaissent bien dans ce discours. Donc ça, c'est le discours à l'Assemblée générale des Nations Unies. Cuba, en la persona del comandante Ernesto Guevara, hizo oír su voz en el debate de la 19ª Asamblea General de las Naciones Unidas, refiriéndose, entre otros puntos, a la coexistencia pacífica entre todos los estados, grandes y pequeños, el crimen de Lumumba, a la reciente masacre del Congo y a los nuevos preparativos de agresiones subvencionadas por la CIA contra Cuba. Son mayoritarios los pueblos que tienen sus pieles tostadas por distintos soles, coloreadas por distintos pigmentos, y han llegado a comprender plenamente que la diferencia entre los hombres... Patentizó su solidaridad con el pueblo de Puerto Rico y su gran líder, Albizu Campos, poniendo de manifiesto los crímenes de Panamá, Colombia, Venezuela, Camboya y Vietnam, abogando por el desarme general y completo, la destrucción total de las armas atómicas y por el ingreso de la República Popular China en la ONU. Que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente. Cuba reafirma su segunda declaración de La Habana en la ONU. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos. Para siempre tu historia. Todo esto, señores delegados, esta disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman
como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. Signalons que dehors, il y a un attentat à la roquette qui est tenté, mais heureusement que la roquette n'arrive pas jusqu'au siège des Nations Unies, elle se noie dans l'Aise River, là, à peu près. Il est attendu par des exilés cubains à Miami, bien sûr, qui veulent lui faire sa peau, etc. Il va ensuite à Alger, où il fait une tournée africaine. Et alors là, très important, parce qu'il demande à Alger si il peut s'appuyer sur Bembella, qui est encore un poste à Alger, pour... Excusez-moi. Je transpire du nez. Si il peut s'appuyer sur Bembella pour un soutien des mouvements révolutionnaires en Afrique, pour former des cadres cubains de la révolution. Bembella est d'accord. Et donc il entreprend donc en Afrique une grande tournée, quoi, qui le mènera donc au Congo, les deux Congos d'ailleurs, qui le mènera également en Guinée, où il rencontrera des grands dirigeants et des dirigeants, des futurs dirigeants révolutionnaires. Ensuite donc, après cette longue tournée qu'il fait en Afrique, hein, alors là, on doit commencer à pointer l'oreille, là. S'il met les pieds en Afrique, le chef, c'est qu'il a un projet. Il n'en parle pas, mais il a un projet. Et donc, il revient au Caire, où Nasser, qu'il avait apprécié, le trouve un peu sombre, quoi. Mais le Tché, un peu tourmenté, un peu préoccupé, ne s'ouvre pas à Nasser. Il lui dit qu'il en parlera plus tard. Il va ensuite, donc, à Alger, où là, en février 65, il fait un discours au séminaire de coopération économique, Afrique-Asie. Il fait un discours, il est invité comme observateur, mais il fait quand même un discours, qu'on appelle le discours d'Alger, qui est une bombe, contre les pays socialistes, dits socialistes. Il les accuse d'être complices avec l'impérialisme, il leur reproche de ne pas payer le développement des pays qui sont sur le chemin de la construction du socialisme, donc il les accuse de pratiquer des rapports marchands avec les pays qui veulent sortir des griffes de l'impérialisme, et il cite l'exemple des médecins donc, formés à Moscou et à qui Moscou présente la note à l'Algérie, par exemple, alors que Cuba formait des médecins gratuitement qui vont ensuite, donc payés par Cuba, soigner les gens d'Algérie, par exemple, entre autres, et d'autres pays également. Il continue d'ailleurs aujourd'hui. Voilà. Donc Moscou présente la note. Le Tché trouve ça scandaleux, il le dénonce. Bien sûr, ce discours est une véritable bombe, très mal vécue par les pays socialistes. On dit aujourd'hui qu'on est étonné que l'URSS n'ait pas rompu les relations avec Cuba de ce fait, quoi. Mais bon, Moscou n'a pas rompu. On verra pourquoi ultérieurement. Et il repasse par le Caire où il s'ouvre à Nasser de son projet de guérilla au Congo. Nasser est très sceptique par rapport à ce projet. Lui déconseille de le faire. Comme il a pris le Tché en sympathie, il lui déconseille, mais enfin, le Tché a décidé, il va partir. Et le 14 mars 65, le Tché revient à Cuba. Il est attendu à l'aéroport par les plus hautes sommités de la révolution cubaine, le président Torticos, fidèle, son épouse quand même, qu'il n'a pas vu depuis longtemps, et d'autres dirigeants. Disparition du Tché de la scène publique, il s'enferme avec Fidel dans une villa isolée, à peu près à 40 ou 50 km de Cuba. 48 heures. On ne sait encore rien, les archives cubaines ne sont pas encore ouvertes sur ce qui s'est dit pendant cette entrevue. Il paraît qu'elle a été orageuse, mais disons qu'à partir de ce jour-là, le Tché n'apparaît plus en tant que personnage dirigeant. Une semaine après, on sait qu'il se rend au ministère de l'économie pour, au cours d'une cérémonie que, pas très protocolaire, pendant laquelle il ne dit rien. Il se rend au ministère pour se séparer de son personnel, quoi, disant qu'il change de fonction, et puis terminé, on ne voit plus le Tché. Donc, on sait que, je résume rapidement là, hein, on sait que cet entretien orageux et fidèle, on sait qu'il est parti vers le Congo. En avril 65, il part au Congo, où sa guérilla est un échec. Donc d'abord, il gagne le Congo. Alors, c'est le Congo ex-belge, hein, le Congo Kinshasa.
capitale Léopoldville, hein, ce n'est pas où, qui est devenu après le Zaïre, mais qui est revenu le Congo, hein, qui s'appelle aujourd'hui République démocratique du Congo. Voilà, c'est un peu, parce qu'il y a un Congo français, ex-français, qui s'appelle le Congo Brazzaville. Hein. Voilà, le Tché mène le combat au Congo Kinshasa. Et donc, depuis l'ambassade cubaine de la Tanzanie, Dar es Salaam, il gagne le Congo, où sa guérilla est un échec retentissant. Donc, après cet échec de l'arrière du Congo, il regagne l'ambassade de Tanzanie, où il reste déprimé, affaibli par la dysenterie, totalement désespéré par l'échec de la révolution, dont il ne voulait pas. Il reste plus de 3 mois. Et là, il écrit beaucoup. Il commence à écrire les notes critiques du manuel d'économie politique de l'URSS. Il écrit également Marx Engels, une synthèse biographique. Et il écrit également une lettre qu'il envoie au ministre de la Culture de Cuba, qui s'appelle Armando Hart, dans laquelle il dénonce le prêt-à-porter des manuels soviétiques qui enseignent le marxisme à Cuba, le prêt-à-porter idéologique, le parti pense pour toi, il dénonce les pavés soviétiques. Quoi. Donc c'est vrai qu'il est tout à fait d'accord pour apprendre le marxisme autrement. Donc, il reste là, sachant que, détail important, à son départ, peu de temps après son départ de Cuba, alors qu'il était au Congo en train de mener sa guérilla, Fidel a lu à la tribune du congrès fondateur, enfin du premier comité central plutôt, pas du congrès, du premier comité central du Parti communiste cubain, qui naît donc, l'authentique Parti communiste cubain, qui naît de la fusion entre ORI, PSEP, Organisation Internationale, le PSP, etc., qui est créé là. Et là, Fidel lit à la tribune la lettre que le Che lui a envoyée, où il se sépare de Cuba. Donc le Che, apprenant ça au Congo, sait que maintenant il ne peut plus retourner à Cuba, quoi, parce qu'il est condamné à séjourner incognito à Cuba, puisqu'il a quitté Cuba. Alors Fidel lui propose de venir, mais le Che refuse, quoi. Il dit, je ne peux pas, moi, rester, il est condamné à être à nouveau un révolutionnaire errant, quoi, puisqu'il n'aura plus de statut particulier de Cuba. Malgré tout, Fidel accepte de le convaincre, et il envoie un de ses émissaires, Papito Cerguera, à l'ambassade de Tanzanie, pour le faire venir incognito à Cuba d'abord, et puis il envoie également à Prague. Il va rester 6 mois à Prague, entouré de Cubains, mais dans le secret. Et c'est à Prague qu'un projet commence à naître chez lui, le projet de la guérilla en Bolivie. Il n'a jamais renoncé à faire la guérilla, à faire la révolution en Argentine, sa terre natale. Et donc il estime que la Bolivie, pays central d'Amérique latine, pays qui a 5 frontières avec les pays limitrophes, peut être un lieu de formation de colonnes des guérilleros qui après, et c'est le monde d'Amérique latine, dont l'Argentine. Et donc ce projet commence à naître à Prague. Ensuite donc, que fait le Che? Ben, son séjour à Prague s'achève au bout de 6 mois. Il a eu une grosse production également au niveau intellectuel. Il rentre à Cuba incognito. Il prépare donc 17 guérilleros cubains, des hommes d'élite, Don Benigno dont j'ai parlé tout à l'heure, pour aller faire la guérilla en Bolivie. Et donc, c'est le départ en Bolivie, il arrive en novembre 1966. On en parlera peut-être dans la discussion tout à l'heure, vous connaissez la suite, c'est la guérilla bolivienne qui se termine dans des conditions que l'on connaît, par sa mort le 9 octobre donc en Bolivie, dans le petit hameau de la guérilla. On pourra s'expliquer sur les raisons qui ont fait que la guérilla bolivienne est un échec, mais voilà comment finit le Che. Alors, je finirai mon propos sur la porte de Che au marxisme. Ça a été un peu long. D'abord, je disais dans mon introduction qu'il a conjugué marxisme et humanisme, qu'il a toujours tenu à faire cohabiter éthique et politique. Quelles étaient ses sources? J'ai parlé de Mariátegui. Alors, je tiens à citer une phrase de Mariátegui qui me semble importante par rapport à l'inspiration marxiste du Che. Nous ne voulons pas, disait Mariátegui dans les années 30, hein, nous ne voulons pas certainement que le socialisme soit dans les Amériques un calque ou une copie. Référence les pays de l'Est pour le Che. Il doit être une création héroïque. Nous devons donner vie avec notre propre réalité, avec notre propre langage, au socialisme indo-américain. Inspiration du Che. Deuxièmement, toujours pareil, c'est José Carlos Mariátegui qui parle, la révolution, et ça c'est important, la révolution latino-américaine ne constituera qu'une étape, une seule phase de la révolution mondiale. La révolution socialiste. À ces deux mots, vous pouvez ajouter, selon les cas, tous les adjectifs que vous voudrez. Agrériste, anti-impérialiste, national et révolutionnaire, le socialisme les suppose,
les précède, les englobe. C'est clair, c'est net, c'est de ça que j'inspire le Che. Dans le Che marxiste, voilà ses inspirateurs. Changer l'homme également au souci éthique. Changer l'homme en même temps que la base économique. Il considère qu'on ne peut pas construire le socialisme si on ne change pas l'homme. C'est l'objet de son livre, son essai plutôt, Le socialisme de l'homme à Cuba. Dans sa lettre d'Armand de Marthe, dont je vous parlais tout à l'heure, il précise tout ce qui doit être, ce qu'on appelle l'éducation politique à Cuba. Inspiré et engagé par le ministère de la Culture. Et là aussi, important, il innove dans la création artistique. Il combat le réalisme soviétique, socialiste, qui est une véritable camisole de force imposée à la création. Il dit que sans liberté de création, il n'y a pas de création artistique possible. Et il dit en plus, la beauté n'est pas l'ennemi du socialisme. Voilà la philosophie du Che. On dit qu'il était essayé de perdre. Non, c'est tout le contraire. Voilà. Et ensuite, donc, il tient à ce que la révolution mette en application un véritable internationalisme prolétarien. Il dit que le manuel du marxisme soviétique tel qu'on l'étudie à Cuba vante les mérites de l'internationalisme prolétarien. Il dit, mais non, s'il existait, ce serait un succès. Mais il est inexistant, l'internationalisme prolétarien. Il n'existe pas. Voilà. Donc, également, je terminerai là, au plan économique, le Che a discuté longuement à son ministère de quelle planification, de quelle économie politique on a besoin dans une économie de transition au socialisme, de l'intérêt du maintien de la marchandise dans les échanges, de la loi de la valeur, si vous préférez, et dont lui, il opte pour la centralisation, et la loi de la valeur peut être reconnue comme une loi objective des économies au socialisme. Si vous permettez, je pense en finir là, parce que ça a duré assez longtemps,